Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ce roman. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre e-book gratuit « Les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans » et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog vivredeseroman.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Sonia Dagotor. C'est une auteure que je suis depuis mes débuts, vraiment en 2015. Je l'avais interviewée pour mes lecteurs, pour une série d'interviews que j'avais faites qui s'appelait « Des auteurs, des inspirations ». Donc Sonia, c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi. C'est une auteure qui va à fond. Elle est extrêmement enthousiaste, elle est aussi très prolifique en matière d'écriture. Elle est aussi aujourd'hui une auteure à succès sur Amazon. Régulièrement, ses livres se retrouvent dans le top 1 ou le top 10 de la boutique Amazon Kindle. Donc je la suis de près et j'essaye de m'inspirer de ce qu'elle fait de manière régulière. Sonia et moi, on est très différentes sur de nombreux points. Déjà, on n'écrit pas du tout le même genre. Et on est aussi très différentes parce que Sonia sort ses livres en l'espace d'une semaine, alors que moi, il me faut des mois. Donc c'est vrai que j'étais toujours hésitante à suivre son conseil de faire plus vite les choses. Et finalement, cette année, j'ai décidé de me lancer et de publier mon prochain livre, donc en moins d'un an après la sortie du précédent. Donc le prochain livre sortira le 25 mai, ce qui est donc dans à peine, on est qu'en mars, avril, mai, dans 2 mois et demi. Donc voilà, c'est un challenge que je me suis imposé grâce à Sonia et j'ai hâte de voir les résultats. Donc parce que Sonia est une grande source d'inspiration pour moi, j'ai vraiment pensé qu'elle pouvait l'être aussi pour vous. Et voilà, nous allons suivre aujourd'hui dans le podcast de ce mois de mars comment est-ce qu'elle en est arrivée à vraiment s'en sortir comme ça sur Amazon. Et j'espère que ça vous donnera des idées et les clés pour vous aussi vous démarquer. Salut Sonia. Salut Anaïs. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Bah, très bien aussi. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Merci voilà, de partager un peu de ton temps avec nous et de partager ton expérience aussi. C'est toujours un plaisir. Oh, j'en doute pas. Alors Sonia, tu es donc auteur auto-édité et édité, donc auteur hybride. Tu me souviens bien d'une première interview qu'on avait fait peut-être en 2015 ou 2016, des auteurs et des inspirations que j'avais fait pour mon blog pour les lecteurs. Donc tu t'es soudainement lancée dans l'écriture de ton livre pendant un week-end avec une copine. C'était en 2013. Pendant une nuit d'insomnie. Tout à fait. Et tu as écrit ton premier livre qui est intitulé « Épouse, mère et working girl », qui s'est finalement même transformé en trilogie. Tout à fait, ouais. Donc ça a été un premier succès, si je me souviens bien. Alors, premier succès, tout est mesuré, tout est relatif. C'est pas arrivé tout de suite. D'accord. Donc, j'ai écrit d'abord un tome 1 qui a commencé à pivoter sur Amazon, suivi d'un tome 2, puis d'un tome 3 les années suivantes. Donc ça s'est fait 2013, 2014 et 2015. Et en fait, le succès sur Amazon est arrivé avec mon quatrième roman. Oui, qui s'intitulait à l'époque « Un peu pas comme les autres ». Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait l'interview, si je ne me trompe pas. Oui, c'était juste avant la sortie, oui. Voilà, exactement. Et donc, en fait, tout s'est un petit peu enchaîné à ce moment-là. Voilà. Mais effectivement, la trilogie que j'avais réunie en une version intégrale en octobre 2015, ouais, c'est ça, octobre 2015, a rencontré son premier gros succès à travers une offre éclair qui avait eu lieu en janvier 2016. D'accord. Alors, c'est quoi un gros succès? Voilà. Pardon ? C'est quoi un gros succès, du coup, pour toi, pour cette trilogie, du moins ? Bah, à l'époque, un gros succès, c'est-à-dire que quand on vend sur une journée, donc la fameuse offre éclair que tous les auteurs indépendants attendent, sur une journée, j'en avais vendu 518. D'accord, ok. Alors voilà, qu'avant, 518. Tu en vendais plutôt combien des autres exemplaires ? J'en ai toujours vendu quelques-uns par jour.
Donc déjà, on peut partir. Alors maintenant, ce sont des vieux souvenirs et ce sont des chiffres très lointains, mais je pense que j'en vendais, je sais pas, 150 en tout par mois. D'accord, ok. Voilà, mais vraiment, je m'en rappelle plus vraiment. Par rapport à aujourd'hui, c'est pas grand-chose, quoi. Par rapport à aujourd'hui, c'était pas grand-chose. On est d'accord. C'était déjà pas mal à mon petit niveau, Oui. mais j'espérais plus. Et puis, enfin voilà, on espère toujours plus, Et toujours tu as mieux. réussi. Et c'est arrivé après, ouais. Voilà. Donc en effet, donc tu as participé aux Plumes francophones en 2016 et c'est là que ça a changé. Tu as sorti ton livre en juillet, je me souviens bien, alors que les plumes, enfin que le concours finissait vraiment. C'est un concours donc Amazon qui finit vraiment fin septembre. Donc Fin août. fin août Fin même. août. Donc tu avais vraiment un mois pour lancer ton livre et essayer de gagner ce concours. Et tu as réussi, tu es arrivé à la troisième place. Et Tout à ton livre a fait. été donc édité chez City, qui est la maison d'édition d'Amazon, et donc qui a changé de titre, qui est devenu un anniversaire au poil. Alors, C'est c'est ça. pas la maison d'édition d'Amazon City, hein. D'accord, c'est ce que je croyais. C'est C'est. non, 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 c'est une maison d'édition qui complètement autonome, Ah d'accord. hein. Non, 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 pas du tout. Ok. La maison d'édition d'Amazon, c'est Amazon Publishing. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est bon, j'avais Mais cru comprendre ça. Parfait. non, non, Ma ouais. faute. Et voilà, donc effectivement, ça s'est fait simultanément, c'est-à-dire que j'ai publié mon roman Un vœu pas comme les autres le 18 juillet. Alors voilà, ça je me rappelle bien. Et en quelques jours, il s'est retrouvé. Alors là, mais vraiment, j'ai rien compris, hein, c'est-à-dire que. Bah non, bah on comprend pas parce que le premier jour, sans vouloir rentrer dans les détails, mais le premier jour, j'en ai vendu une trentaine. Le deuxième, je suis tombée à 7. Le surlendemain, je suis tombée à 7. Et puis là, bon, bah, moi aussi, je suis tombée parce que je me suis dit, bah, ça y est, c'est foutu. Et puis, certainement que les fameux algorithmes d'Amazon se sont mis en route. Et d'un seul coup, bah, j'en ai vendu 50, puis 100, puis 150. Je crois que c'était monté jusqu'à 170 e-books par jour, sans compter les fameuses pages lues qui viennent Oui. s'ajouter à tout ça et qui viennent nous faire grimper dans le top. Et donc, du coup, au bout de 10 jours, je me suis retrouvée première du top 100 Amazon et on était tout début août de mémoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le fameux mail de City Edition qui me proposait un contrat. Ah, Et c'était donc. déjà avant la fin du concours, alors. Et c'était déjà avant la fin du concours. En tout cas, on était en discussion à ce moment-là. Et donc, le concours se termine le 31 août et les résultats nous sont communiqués ensuite. C'était fin septembre. Voilà. Et Ok. effectivement, je suis arrivée à la troisième place, donc Plume de bronze, avec ce roman qui a été ensuite réintitulé Un anniversaire au poil et qui a été publié donc en librairie en mai 2017. D'accord. Donc bien Voilà. après la fin du concours. Et Ok. qui est en rupture de stock. Hein, voilà. Après, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce genre de détails, mais On pourra c'est. discuter de l'édition traditionnelle un petit peu après. Ouais, ça, on va avoir un petit peu ton retour sur cette expérience avec City. Ça va être intéressant. Mais du coup, moi, je voulais revenir sur la sortie du coup de ce troisième. Enfin, du coup, pas de ce troisième livre, mais de ce quatrième. Tu avais fait quelque chose de spécial pour le lancement, ou tu as, t'as, parce que tu avais déjà certainement une communauté qui était déjà présente. Et je pense que c'est la communauté présente qui a fait que le lancement. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un lancement réussi quand on fait 30 ventes sur une journée? Je sais pas. Franchement, je peux pas. Encore aujourd'hui, je peux pas expliquer ce qui s'est réellement passé parce que pour moi, 30, c'était pas un lancement du feu de Dieu, quoi. C'est D'accord. voilà. Mais tu en avais parlé relativement en amont? Parce que je sais que tu es du genre à faire des lancements très courts. Voilà, tu en avais parlé en Ouais. amont. Tu avais déjà, je sais pas, tu avais combien de personnes qui te suivaient sur Facebook? Tu as une idée un peu? Oh non, franchement, là aujourd'hui, je suis à 2700, je crois. À l'époque, si j'étais à 500 ou peut-être 1000 D'accord. Ouais, donc suiveurs, c'était pas. abonnés, j'avais pas Instagram. Donc, non, franchement, je peux pas. Comme tu l'as si bien dit, je prépare mes lancements en une semaine, en gros, c'est un peu ça, quoi. Ma communauté est au courant que j'écris, donc ils savent aussi à peu près, enfin mon
ma marge de progression. Donc, ils savent que, voilà, quand je leur dis c'est terminé, ils savent que dans la semaine qui suit ou dans les 10 jours qui suivent. Tu leur fais un beau suspense quand même, parce que du coup, c'est j'écris sur chapitre 5, 6, 7, le dernier. J'imagine. Non, je suis pas quand même dans ce détail-là, mais disons que quand j'ai fini, ils le savent, quoi. Ok. Je suis tellement contente que je partage ma joie et donc ils le savent et ils savent aussi que généralement quand j'ai fini, bon après chacun sa méthodologie, mais moi quand j'ai fini, je me relis une fois en entier, généralement toutes les corrections intermédiaires ont déjà été réalisées, j'envoie mon fichier à la correctrice, à Florence Clairefeuille qui est ma correctrice et puis... roule ma poule, quoi. D'accord. Une fois qu'elle me renvoie la copie, je check pour vérifier que effectivement c'est cohérent et pertinent et ça l'est toujours. Et puis dans la foulée, je mets directement sur KDP. Donc D'accord. Donc ça va, mais enfin une semaine, c'est vraiment Ouais. Déjà un grand maximum. Voilà. Du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit les algorithmes d'Amazon se sont peut-être emballés. Est-ce que tu avais fait quelque chose pour bichonner ces algorithmes, genre le travail sur les mots-clés, la description, des choses comme ça, ou rien du tout? Alors, probablement, je ne sais pas. Mais pas volontairement, du moins. Non, mais c'est vrai, c'est toujours. Enfin, quand on me pose ce genre de questions, c'est toujours un peu compliqué et pouvoir y répondre parce qu'en réalité, moi, je ne sais pas ce qui se passe On dans la sait par machine. exemple qu'il faut mettre certains mots-clés. Si tu choisis des mots-clés, il vaut mieux qu'ils apparaissent aussi dans la description et notamment que ça corresponde aussi à des mots-clés qui sont appropriés pour la catégorie dans laquelle tu mets ton livre. Enfin, il y a toute une stratégie normalement derrière qui s'imbrique, qui fait qu'après, voilà, ça parle plus à Amazon, quoi. Mais non. Moi, je savais que si on met des mots-clés dans nos mots-clés, mais il n'y a pas nécessaire. Enfin, tous les mots qu'on a dans notre description ne sont pas nécessairement à retrouver dans les mots-clés. Moi, c'est ce que j'avais compris. Pas tous, non, mais... Voilà. Mais non, je reste assez classique dans ce que je mets comme mots-clés. Mes descriptions, elles sont hyper simples. Je ne les mets même pas en forme, là, avec les fameux langages HTML ou du gras, machin. Je ne sais pas faire, en fait. D'accord. Et comme je suis toujours pressée, bah, c'est vrai que ce n'est pas le genre de choses que... ce que je chiade forcément, pour parler un peu vulgairement. Non, je crois simplement que ben, j'ai de la chance. Alors ça, c'est sûrement une chance. Et que pour le coup, mes lectrices, elles sont hyper sensibilisées au fait qu'il faille mettre un commentaire. D'accord. Et je pense que c'est ce qui fait que... un roman qui commence à être peut-être bien classé et qui a un certain nombre de commentaires et qui sont positifs et qui sont respectueux parce que ça ne spoil pas, parce que ça en dit mais pas trop, parce que... voilà, je pense que tout ça, pour le coup, contribue vraiment à faire grimper... en tout cas, à donner une bonne visibilité au roman. Et ça compte beaucoup dans les algorithmes, les commentaires aussi, de toute façon. Donc, plus vite il y en a, et plus vite, c'est une preuve pour Amazon que ça fonctionne. Donc, et du coup, ces lectrices, enfin, tu as l'air d'avoir une forte relation avec ta communauté quand même. Elle est très présente, elle interagit beaucoup et elle réagit vite. J'imagine que ça aide beaucoup. Elle partage aussi. Oui, ouais, ils partagent. J'organise aussi régulièrement des concours. Je leur pose des questions, je les implique, je cherche un prénom, enfin je vais les consulter. Je pense que c'est important parce que ça donne l'impression au lecteur de participer à la construction du roman. Ça valorise et puis moi ça m'aide beaucoup, puis ça m'amuse énormément de créer ce lien, de créer du lien avec mes lecteurs. Et voilà, moi, je suis persuadée que si, en tout cas, je suis plutôt dynamique sur Facebook. Et je sais que Facebook est un média un peu vieillissant ou en tout cas pour ma part, il m'aide énormément et je suis persuadée que si j'avais pas créé cette communauté, j'en serais pas là aujourd'hui. Et là mes lancements sont réussis quand là pour le coup sur une journée, même si ils sont préparés une semaine ou 3 jours à l'avance. Je sais que j'arrive à vendre entre 100 et 150 e-books sur le premier jour. Okay. Voilà. Donc ça, tu l'as vu avec la sortie du coup de tes autres livres. Tu as sorti
sorti, Tout peut arriver ou presque, en octobre 2017. Et donc, un peu moins d'un an après, Sortez-moi de là. Donc là, tu as la couverture, la fameuse couverture qui doit bien Ouais, marcher avec les aussi, lunettes. avec le chien et les lunettes, etc. Tu as commencé à prendre un petit peu cette marque, on va dire Ouais, ça tout comme à ça. fait. Ouais. Et ça a l'air de bien fonctionner. C'est vrai que tu as des couvertures qui fonctionnent bien. De Ouais. manière générale, je pense qu'il interpelle aussi pas mal. Donc, c'est donc sur ces deux lancements-là que tu as pu voir donc, qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était mis en place au préalable. Ouais, bah carrément. Là, tout peut arriver ou presque. De mémoire, j'en avais vendu sur le premier jour 117, je crois. Puis les jours qui suivent, forcément, ça diminue un peu. Mais j'étais, je crois, deuxième au bout d'une semaine. Enfin, de dingue, vraiment. Le truc de dingue. Et puis Sortez-moi de là. J'en ai vendu, je crois, 140 le premier jour des e-books. Et pareil, enfin, il a fallu attendre un tout petit peu plus longtemps. Mais j'ai été première le 8 août, alors qu'il a été publié le 14 juillet. D'accord. Voilà. Et par contre, je suis restée première plus longtemps. Avec Sortez-moi de là, mais par contre ça a baissé plus vite D'accord. après là c'est à l'automne. Bon voilà, il y a pas de recette magique et il y a Non. pas de recette qui marche, qui fonctionne à chaque fois. Ça dépend vraiment déjà du type de livre qu'on propose, ça dépend du type de lecteur, ça doit dépendre un petit peu des dates, ça doit dépendre de la communauté qui était présente avant. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, enfin, une fois que tu as fait le lancement de ton livre, tu es quand même extrêmement présente aussi. Tu pousses, tu pousses, tu pousses derrière pour que les lecteurs y aillent, pour qu'ils aillent laisser un commentaire, pour qu'ils partagent, tu fais Ah vite bah des de toute façon, concours. Il y a quelque chose derrière quand même. C'est t'as c'est l'air écrit. surprise, mais tu fais quelque chose, quoi. C'est Ah oui, vraiment. ah ouais, non, j'arrive pas à décrocher. Hein. Quand j'accouche, j'ai du mal à couper le cordon. Hein. C'est Ouais. vraiment ça, quoi. En fait, non, non, ça s'arrête jamais vraiment, la promotion. Elle s'arrête pas vraiment. Dans mon histoire, dans les remerciements, il y a tout un pas, enfin, il y a toujours une ligne ou deux sur le fait que c'est hyper important d'aller déposer un commentaire, que c'est hyper important d'en parler aux gens autour d'eux, que c'est hyper important de partager, que ce serait bien de les offrir en cadeau de Noël si ça s'y prête, ou voilà. Mais parce que tout ça, c'est un cercle extrêmement vertueux qui se met en place et qui garantit d'une certaine façon le succès des futurs romans et aussi la continuité des anciens. Enfin, moi, Oui. aujourd'hui, pour entrer un peu dans les chiffres, celui qui se vend le plus aujourd'hui, c'est Tout peut arriver ou presque, parce qu'il est en Amazon Prime Reading. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en discuter dans d'autres interviews, mais Non, c'est tu une peux expliquer un opportunité. petit peu, ouais, si tu veux. C'est une opportunité qui est proposée par Amazon. Donc, en fait, Amazon s'est lancé il y a alors en juin l'année dernière un système d'abonnement pour les abonnés Prime. C'est-à-dire que mon livre, Tout peut arriver ou presque, est gratuit pour ces abonnés Prime qui souhaiteraient le lire. Donc, il y a tout un tas de romans qui sont aujourd'hui gratuits. C'est différent de l'abonnement à la Kindle, Oui. enfin, aux abonnements Kindle. C'est un autre style d'abonnement, mais dans tous les cas, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui m'a redonné une extrême visibilité parce que, bah, du coup, là, depuis Noël, ce roman Ça décolle. était premier. Enfin, là, il est dans le top 10 toujours, mais d'ailleurs, ça baisse un peu si vous pouvez en profiter pour aller l'acheter ou le lire. Enfin, voilà, petit coup de pub au passage, hein, tout peut arriver, n'est-ce pas? Bien sûr. Du coup, oui, il est redevenu au premier plan de la scène. Et en fait, ce qui est formidable avec mes romans, mais ça, une fois de plus, je pense que je le dois au lecteur, c'est que il me découvre peut-être avec ce roman-là, il l'aime bien, et puis ils repartent du début et ils lisent la trilogie et Un anniversaire au poil et Sortez-moi de là. Et tout ça est un cercle extrêmement vertueux. Voilà. Oui, Genre, c'est sûr. Et donc,
pour parler des chiffres, aujourd'hui, je vends tous les jours entre 5 et 15 pour chaque Pour chaque. roman. Ok. Voilà, donc c'est assez variable, hein, mais les graphes ne s'arrêtent plus tout en bas, là, ça monte, voilà. Et puis il y a des jours dans la semaine où c'est plus haut, et pareil pour les lectures, parce que pour le coup, moi depuis mes tout débuts, je n'ai jamais quitté KDP Select. Oui, Voilà. c'était une des questions du coup que je voulais te dire parce que tu le disais qu'en effet, il y a les pages lues. Enfin, moi, je le vois dans mes ventes qui sont peut-être pas aussi folles que toi, mais je le vois. Si je regarde que sur Amazon, j'ai 50% de mes revenus qui viennent des e-books et 50% qui viennent vraiment des pages lues. Et en fait, sans les pages lues aussi, enfin, je dois le reconnaître, je vivrais peut-être pas de ma passion aujourd'hui, quoi. Donc, KDP Select, pour moi, c'est vraiment un bon outil et il faut pas le négliger. Et ça encourage Exactement. Amazon à nous mettre en avant aussi. Exactement, ouais, exactement, parce que c'est vrai que si la proportion était un peu différente il y a quelques années encore, c'était plutôt de l'ordre de 30-70. 30% pour les pages lues et 70% pour les e-books. La tendance, elle est vraiment en train de s'inverser. J'ai le sentiment que là, effectivement, on est plus de l'ordre de 50-50 ou alors un 55 pour les e-books encore et 45 pour les pages lues. Mais effectivement, on tend vraiment dans tout, hein, vers les systèmes d'abonnement. Et alors pour le coup, ça m'a. Du fait que ça marche bien pour moi avec KDP Select, j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs si Oui. j'allais trouver d'autres lecteurs. Voilà. Oui. Donc, Bah, on peut pas non plus s'éparpiller tout le temps non, partout. non, non. Non, puis franchement, j'ai pas le temps et ça marche bien comme ça. Je vais pas prendre le risque de mettre un bâton dans les roues alors que je suis en pleine course et que C'est ça. voilà. Donc le prochain est prévu pour quand? Alors, doucement. Mollo. J'ai deux projets. J'ai un projet que je réserve aux maisons d'édition Oui. parce que je ne perds pas de vue, et pour mon petit ego quand même, je ne perds pas de vue que j'aimerais bien que mes livres se trouvent en librairie. Un prochain projet que je réserve aux maisons d'édition, et puis un autre projet pour l'auto-édition pour le mois de, j'espère, pour cet été. Voilà, puisque ce que j'écris, c'est vraiment des romans transat. Donc, voilà, il faut que je mette juste le turbo maintenant, mais ça va le faire. Ça va le D'accord. faire. Du coup, pour revenir à cette question de maison d'édition, tu voulais partager un petit peu ton expérience sur City. Du coup, c'était ta première édition, finalement. Donc, tu Ouais. es déjà édité, d'une certaine manière. Donc, tu en es satisfaite? Oui, enfin oui. Comment dire? Oui, parce que c'est toujours génial de trouver son roman dans les librairies. La mise en place a été exceptionnelle parce qu'il y avait eu, je sais pas combien de centaines d'exemplaires. Bien distribué parce que ça m'a permis de toucher des lecteurs qui ne m'auraient pas connu. Voilà, il y a encore des gens qui refusent d'aller sur Amazon, qui n'achèteront jamais de romans, enfin qui n'ont pas de compte, mais qui du coup, voilà, passent à côté de nos histoires. Et je pense que d'aller à leur rencontre lors des séances de dédicace, parce que moi, j'ai jamais fait de séance de dédicace en tant qu'auto-édité. J'ai toujours fait des séances de dédicace en tant qu'édité. Donc, D'accord. je vais commencer bientôt à faire des séances de dédicace en tant qu'auto-édité avec mes petits exemplaires et tout ça. Là, j'ai préparé mon stock. Et d'ailleurs, la prochaine, je pense que d'ici là, l'interview sera peut-être pas encore prête. Voilà, il y a tout un tas de dates. Si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à les consulter ou à vous abonner à ma page Facebook. voilà, sur Facebook et Instagram et tout ça. Mais oui, alors c'était une bonne expérience. Pas la meilleure que j'ai connue parce que forcément on est déçu. On est déçu parce que quand on vend des dizaines de milliers d'e-books sur Amazon, on se dit que.
Bah, ça va être pareil en librairie. Mais non. Mais non. Non, non, c'était pas tout à fait le cas. Et puis déçu parce que, bah, comme je te le disais en préambule tout à l'heure, c'est que le livre est en rupture de stock, D'accord. qui sera pas réimprimé, qu'il a eu une deuxième chance chez France Loisirs et qu'il a plutôt bien cartonné, D'accord. et qu'il est aussi en rupture de stock chez France Loisirs et qui, a priori, ne sera pas réimprimé. Mais Voilà. pourquoi? Bonne question. N'y a pas de La, raison, en fait, ils expliquent pas. en librairie, la durée de vie d'un livre est beaucoup plus courte que sur Amazon. Clairement, moi, je le vois, enfin, sur, je le vois bien avec mes romans. À chaque fois que j'en publie un, les gens ont envie d'aller lire mes premiers. Et puis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, en librairie, c'est, bah, quand le livre n'est plus exposé, et encore faut-il qu'il le soit bien exposé. Quand le livre disparaît, les gens, bah, s'ils ne voient pas un produit, ils peuvent pas aller l'acheter, quoi. Oui, Voilà. c'est Et sûr. donc, avec la visibilité, ben, si la visibilité disparaît, le livre Disparaît. disparaît aussi. Et D'accord. si on réimprime pas, alors ça, pour le coup, je ne peux pas expliquer pour quel motif il n'est pas réimprimé, puisque, a priori, il a quand même bien Bien marché, fonctionné. oui. Voilà, et ben voilà, Oui. ça s'arrête, et c'est hyper frustrant. Je C'est hyper comprends, oui. frustrant parce que le seul livre, le seul roman qui a été publié en librairie est en C'est rupture de celui-ci. stock. Et les gens ne peuvent plus se le procurer en papier. Sauf par Amazon. Ben Non, non, même même pas. pas, non. Ah non, tu les proposes Ben non. même pas en version brochée sur Ben non. Amazon. Mais pourquoi? Pareil, mais pourquoi ne pas proposer tes livres brochés sur Amazon? Eh ben, pour le coup, il faudrait que je récupère mes droits pour pouvoir reprendre Mais même pour ce. les autres livres. Ah, mais mes autres livres sont tous en, existent D'accord. tous en Ok. brochet. Non, non, mes Ouf. autres livres existent tous en brochet, heureusement. Et d'ailleurs, ils fonctionnent aussi. Je vends entre 5 et 10 romans en papier tous les jours sur Amazon. Ça m'impressionne. Ouais, on se rend dessus. Mais parce que j'ai beaucoup de romans, enfin j'ai beaucoup de romans, il y a des auteurs qui en ont plus que moi, mais je suis à 6 romans, 2 nouvelles, tu vois, ça donne. Voilà. Je vais prendre modèle sur toi, Sonia. Mais. J'ai décidé que j'allais sortir mon livre au mois de juin, coûte que coûte. Donc, Mais bien sûr, mais bien sûr, mais s'il est prêt, sors-le tout de suite, n'attends non, il est pas. pas fini encore, mais mais bon, je travaille sur mes périodes de lancement Voilà. avec en prenant toi pour modèle. Mais Voilà. alors, du coup, tu n'as pas perdu ta foi en l'édition traditionnelle. Tu vas quand même essayer de sortir un Ben livre en oui, édition. parce que j'ai trop envie d'être Aurélie Valogne, ou Oh. Agnès Martin-Lugan, ou Virginie Grimaldi, enfin. Même si tu vis déjà de ta passion aujourd'hui. Oui, bah je pense que c'est vraiment une question d'ego, quoi. Enfin, je sais D'accord. pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper fière. Je ne pensais pas du tout que j'allais en arriver là. Ouais, je sais pas. J'ai ce besoin. Je suis un peu frustrée de voir que le train s'arrête devant certains et pas devant moi, donc on va y aller un petit peu différemment. Voilà, plutôt que de publier comme je le fais habituellement en espérant qu'un éditeur vienne me chercher après, là à la limite je sais plus quoi faire. Ils sont premiers, ou en tout cas ils sont dans le top 10, non, même plus quand ils sortent, mais non. Donc c'est vrai que tu m'avais dit à d'autres occasions où on a discuté que l'un des problèmes c'était peut-être le fait qu'ils ne sont pas assez exclusifs justement parce qu'ils ont déjà beaucoup bien trop marché sur Ouais. Amazon. Et donc c'est pour ça que tu as décidé de faire un second projet vraiment qui sera réservé uniquement aux maisons d'édition pour Exactement. essayer d'enlever cette barrière. Parfait. Ouais. Bon, C'est vrai j'espère que que ça fonctionnera. quand on est auto-édité et que ça marche bien sur Amazon, parfois on se demande est-ce qu'on n'est pas aussi un peu boycotté par les maisons, enfin, pas boycotté, je parle pas de boycott, parce qu'on voit bien que les maisons d'édition traditionnelles viennent faire aussi leur marché sur Amazon, hein. Ça s'est clairement vu pour plein d'auteurs, hein, et encore aujourd'hui. Donc, voilà, j'aimerais bien, voilà, je pense que ce serait vraiment une fierté supplémentaire que de se dire enfin, voilà, mon rêve c'était que cette nuit-là, quand j'ai commencé à écrire, c'était de me dire
Je vais faire un best-seller et il sera dans toutes les librairies. Et Ok. voilà. Donc, Donc, tu as la partie best-seller, mais pas trop la partie librairie, du coup. exactement, Voilà. Parfait. exactement. Bon, Voilà. Donc, je te souhaite vraiment pour 2019, du coup. Ce serait pas impossible, vu Alors, que tu vas avoir un peu 2010, plus de temps. ça me paraît un peu juste parce que le problème de l'édition traditionnelle, c'est que c'est beaucoup plus long que l'édition, Oui, mais que tu auras des l'édition. nouvelles. Tu auras écrit ton Oui, livre et tu voilà. auras peut-être commencé à avoir des petits tuyaux. Des contacts, oui, Ah. non, mais bon, en tout cas, ouais, j'espère qu'en 2020, on trouvera mes livres dans toutes les librairies, enfin, pas J'espère. mes livres, mais en tout cas, Ce mon livre, livre, voilà, ce le livre, futur. voilà, exactement. Parfait. Alors, pour le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner à des auteurs qui se lancent aujourd'hui, on va dire en auto-édition, ou qui essayent de se démarquer, de faire quelque chose de plus grand pour eux, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait quoi ton conseil? Alors, mon conseil, ce serait de pas forcément espérer avoir le succès au premier roman. C'est d'écrire, d'écrire et d'écrire, parce que la machine se met en route pas forcément au premier, hein, et puis d'essayer de créer peut-être du lien avec ses lecteurs. Alors d'abord un petit, enfin, 3 000 fans, c'est pas non plus c'est pas non plus énorme, d'essayer de créer du lien. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile à faire quand on est dans un registre un peu feel good, d'écrire, c'est sûr, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et puis de soigner ses couvertures, parce que c'est vraiment une façon d'accrocher, hein, voilà, c'est la première chose qui va accrocher le lecteur. Et puis il faut aussi qu'elle se démarque par rapport à ce que font les autres. Et puis évidemment de se faire corriger. Alors ça peut représenter un certain investissement financier. Mais je pense que c'est indispensable. Alors, il y a des gens qui le font. Il y a beaucoup d'auteurs indépendants qui se sont aussi lancés dans les corrections d'ouvrages. Mais je pense que c'est indispensable. Voilà, une belle couverture, un bon texte propre. Et puis, Une et communauté. puis, et puis go. Voilà. Et puis, de la Ouais. communication qui va un peu avec. Et puis, surtout, beaucoup de persévérance ensuite. Et puis de patience qu'on n'a pas toujours ou qui se perd en chemin. Voilà, parce que ça, voilà, ça peut, y a aussi un facteur chance qu'on maîtrise pas forcément, et puis ça se construit pas, tout ça ne se construit pas en un jour. Il faut, je pense, un peu de patience pour que tout se fasse. D'accord. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, j'ai pu le voir sur mon expérience personnelle. Les deux premiers livres ont été un flop. Le troisième a bien marché. Et maintenant, la communauté est vraiment de plus en plus solide et ça va être de plus en plus porteur. Donc, comme tu dis, écrire, écrire. Donc, je vais essayer de publier plus souvent. Et ensuite, s'appuyer sur une communauté, vraiment créer ce lien le plus tôt possible dès le premier livre pour pouvoir voilà, avoir cette base solide et ensuite communiquer, être sincère. Et Ouais, persévérer, ne pas s'arrêter au premier, quoi. exactement, exactement. Et puis après, les choses sur Amazon se mettent en place. Il y a Amazon Il y a aussi. un moment où la première offre éclair arrive, où la première promo du mois arrive, et c'est déclencheur de beaucoup de choses aussi. Donc, plus de lecteurs d'un coup. Et forcément, plus de lecteurs qui risquent de parler du roman, et puis ainsi de suite. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, du temps que tu Merci nous as à toi, consacré. Anaïs. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Oui, j'adore aussi. Source d'inspiration pour moi. Et j'espère pour tous les auteurs du coup qui vont écouter l'audio de notre interview ou vont regarder la vidéo. Je te remercie. Je te souhaite Merci à toi. un bon repos maintenant que tu es un petit peu plus libre bientôt. Et à bientôt par message. À une À prochaine fois. bientôt. Salut! Salut. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel interview avec Sonia Dagotor et que cela vous a montré ce qu'il était possible de réaliser sur Amazon KDP et la manière dont vous pourriez trouver vous aussi vos lecteurs. Le mois prochain, nous retrouvons
Éric Gilbert, auteur mais aussi libraire à l'espace culturel Leclerc de Varennes-sur-Seine. C'est l'un des premiers espaces culturels Leclerc où j'ai fait mes séances de dédicace et j'ai eu envie de l'interviewer pour vous afin justement de discuter des séances de dédicace pour les auteurs indépendants du point de vue d'un libraire avec quelques conseils. Je vous retrouve donc le mois prochain pour ce nouveau podcast. D'ici là, je vous souhaite du succès, bien sûr, mais aussi de prendre toujours du plaisir dans ce métier qui est l'auto-édition. À très bientôt. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivredeseromans.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt.